Bienvenue sur la chaîne de Soins Intuitives. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour votre tirage amoureux, votre tirage pour la Saint-Valentin, mais c'est un tirage un petit peu différent. Je vais me servir que des tarots. Donc, un tirage pour faire un petit peu le point sur votre relation. Donc, c'est un tirage que je voulais faire que pour la Saint-Valentin, mais que j'ai décidé de garder, de conserver et d'en faire deux par mois, justement. Pour voir un petit peu ici comment va votre histoire. Donc évidemment, les personnes qui sont en couple, les personnes célibataires, les personnes avec l'énergie de la personne qui arrive en face de vous. Donc c'est un tirage aussi général. Rappelez-vous que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je compte sur vous pour garder votre discernement. Donc nous allons faire aujourd'hui la Vierge. Bonjour mes amis Vierges. Donc ceci est un tirage pour vous et la personne de votre cœur ici en face de vous, la personne avec qui vous êtes dans cette relation. Donc le tirage va se composer ainsi avec une première carte pour faire un petit point sur votre relation, le point de départ, l'énergie principale de votre relation, votre état d'esprit, celui de l'autre. Le passé, votre passé, le passé de la personne en face de vous, ce que vous allez mettre en place ici pour avancer, et pareil pour la personne en face de vous. Une carte chacun pour vous conseiller, une carte conseil et l'issue de la relation. Donc voilà, je vous invite aussi à aller prendre le tirage des autres signes de votre thème. Voilà, donc je compte sur vous, effectivement, toujours pareil pour votre discernement. Prenez que ce qui vous parle. Et vous laissez derrière vous si ça ne vous concerne pas, parce que c'est pas pour vous. Okay? Allez, on y va pour les Vierges, donc pour votre relation là, dans ce mois de février 2023. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Allez, on voit pour les Vierges. Donc Vierge, février 2023, par rapport à votre histoire ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, on commence avec le point de départ de la relation. On est sur un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est cette énergie où on laisse derrière soi tout ce qui n'a pas fonctionné quelque part. Voilà. Bon, il y a une forme pas de prétention, mais de se dire que voilà, bon, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, on avance, on passe à autre chose, évidemment. Alors, c'est l'énergie un petit peu de ce 9 de coupe. La coupe, c'est tout ce qui n'a pas, c'est toutes vos relations ici. Voilà, on a envie d'avancer. On a envie de profiter un petit peu de la vie ici. Profiter de la vie. Quelque part, il y a eu plein d'histoires qui ont été vécues. Et quelque part, on se dit qu'aujourd'hui, voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vivre? Il y a une forme aussi de. Il y a une recherche de l'amour, hein, évidemment. Quelque part, c'est le signe aussi d'une rencontre. Une belle rencontre ici qui peut effectivement arriver dans votre vie. Prenez l'air, hein, sortez, ouvrez-vous aussi. Hein, voilà. Bon, pas pour faire n'importe quoi, mais en tout cas, ici, le point de départ, c'est ça. C'est j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie voilà, j'ai envie d'avancer. Si cette personne, si vous êtes déjà dans cette relation, on parle des célibataires, mais on parle de vous aussi si vous êtes déjà dans une relation. C'est un lien quand même qui se renforce et qui a l'air sérieux. D'accord? Qui a l'air sérieux. Et voilà. Donc on est face à deux personnes ici qui ont envie quelque part de construire quelque chose ensemble. D'accord? Bon. On est quand même dans des super énergies. Par contre, si vous êtes quelque part ici dans une relation un peu compliquée, enfin s'il y a un peu du conflit. Focalisez-vous plutôt, quelque part, j'ai envie de dire, sur ce qui fonctionne. Laissez le passé derrière vous, les amis vierges. Le passé, c'est le passé, et focalisez-vous sur ce qui va bien entre vous, sur ce qui fait que votre couple fonctionne. D'accord? Voilà. Soyez aussi reconnaissant. Quelque part et de calmer les tensions qu'il peut y avoir entre vous et l'autre. Ok? Ok, on continue. Donc, votre état d'esprit ici. L'état d'esprit, votre état d'esprit, mes vierges, c'est que quelque part,
Vous êtes bien installé ici, hein, voilà, vous manquez de rien. Vous avez pris en charge votre vie, votre nouvelle vie même, j'ai envie de dire. Et vous êtes prête ici à accueillir l'amour, à accueillir, voilà, vous manquez de rien, il y a une forme d'abondance. Vous êtes peut-être senti bloqué par moment, mais là, le pendu est retourné. Donc, ça veut dire que vous avez trouvé la clé quelque part. Vous avez trouvé la clé. Vous êtes peut-être bloqué à l'amour pendant un certain temps, sauf que maintenant plus du tout. Donc voilà, la carte du pendu retournée, une arcane majeure qui veut nous dire que vous avez peut-être été dans une situation un peu pieds et mains liés, vous n'arriviez pas à trouver de solution. Et là, c'est la fin de ça, hein, d'accord? C'est votre état d'esprit aujourd'hui, c'est de ne plus vous sentir bloqué. Donc soit pour rencontrer quelqu'un, soit dans cette relation où vous avez envie d'avancer. Donc là, le 9 de Pentacle, il y a une forme d'abondance dans votre vie, quelque part, vous vous sentez bien dans votre peau, bien dans votre vie. Donc voilà, il ne vous manque rien du tout, hein, j'ai envie de dire. Quelque part, vous êtes en paix avec vous-même, même au niveau des deniers. Hein. Ça veut dire qu'il y a une forme d'abondance et d'indépendance aussi, j'ai l'impression, et de stabilité, de sécurité. Donc quelque part, vu que vous êtes plutôt comme ça, vous êtes à un âge mûr, j'ai l'impression, hein, d'accord? Vous vous sentez bien toute seule quelque part dans votre vie, si vous êtes une femme, hein, vous avez besoin de personne et une forme d'indépendance. Et voilà. Donc si vous êtes en recherche d'amour, il est clair qu'aujourd'hui vous êtes prêt, vous êtes prête à vous retrouver en harmonie avec quelqu'un. On est sur une fin de cycle aussi, j'ai l'impression, pour vous, mes vierges, donc prêt ou prête à ouvrir votre cœur à quelqu'un, à vibrer. Voilà, à remplir votre vie de belles choses. Donc si vous êtes tout seul, c'est vrai que cette personne, elle ne viendra pas remplir un vide en fait, parce que vous êtes déjà aligné, vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est votre énergie en tout cas. Et si vous êtes avec une personne, en tout cas, en fait, enfin, rester indépendante de cette personne, ça veut dire ne pas rentrer dans la dépendance affective. Deux personnes différentes ici, on ne peut pas tout attendre de l'autre, d'accord? On ne pouvait pas demander tout à l'autre, c'est ce que je comprends ici. Et que quelque part, vous devez travailler votre individualité, vous de votre côté et la personne en face de vous de son côté. Personne n'est dépendant de l'autre, pas d'attachement toxique en tout cas, d'accord? Enfin, en tout cas, c'est l'état d'esprit, hein. Je pense que vous voulez rester indépendant, indépendante. Voilà. C'est voilà, garder quelque part un peu son espace, quoi. Vous voyez? Ouais, c'est important, j'ai l'impression, et il faut de l'amour réciproque et surtout que la personne en face de vous vous respecte. Voilà, ça se passe comme ça. Alors, l'état d'esprit de l'autre, c'est que cette personne, mes vierges, elle est focus sur le passé. Que cette personne. Alors, rappelez-vous aussi, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, que les énergies sont interchangeables. Donc, peut-être que là, c'est vous, et peut-être que de l'autre côté, c'est vous aussi. C'est-à-dire que à gauche, c'est normalement vous, et à droite, c'est la personne en face de vous, sauf que les énergies peuvent changer. Donc ici, on parle quand même avec le 5 de coupe d'être trop focus sur le passé, mes vierges, et de pas regarder ce qu'il y a de nouveau ici qui se présente. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de douleurs. Vous voyez ici, on voit cette personne qui regarde tout ce qui n'a pas fonctionné et qui ne voit pas derrière, qui a autre chose à ouvrir comme histoire. Alors effectivement, il y a un 3 de coupe, donc le 3 de coupe, ça peut dire que cette personne, elle est en train de se sortir d'une situation ici où elle a été trahie, qu'elle est trop dans le passé, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous disait que dans la relation ici, bah, effectivement, mes vierges, peut-être que justement, vous, vous êtes en train de focaliser sur ce qui fonctionne entre vous et plus sur les erreurs du passé et sur le passé. Donc ici, cette personne, elle est dans la déception. Voilà, il y a une forme de déception par rapport à son passé. Il y a eu, je pense, une trahison, une triangulaire. Même si quelque part, il y a une célébration, elle a envie, je pense, cette personne, de se sortir de ça. Mais elle a encore du mal. C'est-à-dire qu'elle a encore focus sur le passé. Elle a du mal à s'en sortir. Il y a eu une grosse, grosse déception, une grosse douleur, beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse ici dans le passé. Hein. Alors,
Je pense que quelque part, elle a envie de s'en sortir, hein, parce qu'il y a ce 5 de coupe et le type 3 de coupe. Donc cette personne est en train quelque part de célébrer, vous voyez, enfin en tout cas son état d'esprit, c'est qu'elle veut se sortir justement de, bah, de tout ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Mais peut-être que ça l'empêche un petit peu d'avancer, d'accord? Et c'est peut-être les conflits entre vous. Le passé de votre passé, c'est que à vous, c'est peut-être votre côté. Très bien installé dans dans votre vie, mais vierge, c'est-à-dire qu'un 4 de pentacle, c'est quelque part, vous étiez, je pense, dans une forme d'abondance, toujours, hein, vous manquiez de rien, hein, dans votre vie. Voilà, bon, vous manquiez de rien dans votre vie. Après, il y a peut-être une problématique aussi, quelque part, dans le passé, c'est que vous avez peut-être ce sentiment d'insécurité. Et que peut-être, dans votre relation, par le passé, mais vierge, vous vous êtes senti dans l'insécurité avec une personne. Et vous êtes peut-être dans la dépendance aussi. Hein, donc, alors, c'est peut-être ça, hein, l'état d'esprit d'aujourd'hui, c'est de vous dire que peut-être vous libérez de ça. Donc, il y a une forme de peur. Moi, j'ai l'impression qu'on parle des blessures, peur d'être abandonné, peur d'être laissé, peur d'être rejeté. Je le ressens comme ça, mes vierges. Et ce 4 de Pentacle, il vous a desservi quelque part par le passé. C'est ce qui peut-être a été une problématique dans votre vie. Alors, c'est peut-être ça le truc aujourd'hui, c'est justement que vous lâchez peut-être ces énergies-là. Vous êtes peut-être trop accroché aussi à votre vie matérielle et pas assez à votre vie sentimentale, je ne sais pas. Voyez si ça vous parle ici, mes vierges, ok? Mais je sens la blessure quelque part ici. Alors, le 3 de bâton, ça c'est le passé quelque part de la personne en face de vous. C'est une personne qui avance, une personne qui a envie d'avancer dans sa vie sentimentale, qui a envie d'aller plus loin, hein, qui avait envie justement qui a saisi des opportunités avec le 3 de bâton. Et ça, c'est son passé. Hein. C'est vraiment une énergie de combattre ici, d'avancer, voilà, d'avoir saisi des opportunités justement pour construire quelque chose qui s'est battu, je pense. Ouais, qui avait fait des choix, enfin qui faisait des choix de sagesse, d'accord, qui saisissait des opportunités pour pouvoir avancer, mais peut-être a été face à une personne qui n'était pas très sympa, quoi, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup de déceptions, cette personne. J'ai l'impression que son énergie, mais vierge, c'est qu'elle a eu beaucoup de déceptions dans l'amour et qu'elle avait envie d'avancer, qu'elle avait envie voilà, d'un partenariat amoureux qui réussisse sur le long terme. Après. Après, peut-être que cette personne aussi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de dépendance. Ouais, je le ressens comme ça, parce que cette personne a essayé. Je pense que cette personne aussi, vous voyez, alors peut-être qu'il y a l'effet miroir, je ne sais pas, mais peut-être que cette personne aussi, ici, il fallait qu'elle travaille sur elle ou sur lui, bien sûr, pour pouvoir trouver la bonne personne. C'est peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être une forme de dépendance affective. Donc entre la personne en face de vous qui peut-être est dans une forme de dépendance affective et vous qui avez la peur de l'abandon, je pense que voilà, c'est un petit peu compliqué. Et entre vous qui focusez sur les choses du passé, qu'il faut laisser de toute façon, et la personne en face, qui veut absolument réussir cette relation, bah, je ne sais pas si c'est forcément sain, mais en tout cas, ça peut poser problème. Alors, qu'est-ce qu'on met en place ici? On met un 10 de coupe en place pour vous et le 2 de coupe. Bon, on engage quelque chose de chouette ici. On a envie de donner de la tendresse, de l'amour à l'autre. On a envie d'un 2 de coupe. Hein, donc, il y a une attirance mutuelle, il y a des sentiments amoureux, il y a la réciprocité. Alors, on peut parler aussi de l'amour filial. Est-ce que quelque part vous êtes dans l'énergie d'aller sur un 10 de coupe, mais peut-être que cette relation, vous n'êtes pas sur un 10 de coupe. Je sais pas. En tout cas, vous essayez d'aller vers un 10 de coupe. Mais c'est comme si quelque part il y avait cette attirance. Mais comme je vous ai expliqué, comme il y a la peur de l'abandon et que de l'autre côté on est face à une personne, mais vierge, qui veut absolument réussir cette relation
Et peut-être pas pour les bonnes raisons, j'ai l'impression. Est-ce que quelque part, oui, peut-être qu'il y a un amour filial. Enfin, il y a peut-être une forme de vous attacher, peut-être vous êtes attaché à cette personne, il y a de l'affection, tout ça, mais c'est peut-être pas un 10 de couple, c'est peut-être pas vraiment l'amour, vous voyez, c'est peut-être pas l'amour amoureux. Même si vous, quelque part, ce que vous voulez mettre en place, c'est un 10 de couple, ben moi, j'ai l'impression ici que il y a une réciprocité dans les sentiments. Mais je le sens pas comme vraiment de l'amour. Bon, après, ouais, il peut y avoir du romantisme, il peut y avoir tout ça, mais je le ressens pas comme une forme de réciprocité amoureux, d'accord, mais c'est les blessures en fait, hein, le problème c'est vos blessures et c'est les siennes, hein, voilà, je pense que c'est ça la problématique, c'est la peur de l'abandon. Après, quelque part, bon, si vous êtes en train de guérir cette blessure, mes vierges, effectivement, on peut aller vers un 10 de coupe. Mais je pense que c'est important de guérir des blessures. Mais est-ce que l'autre guérit ses blessures? Alors, l'énergie, les actions que la personne va effectivement engager, c'est le page de pentacle. Donc, peut-être une personne plus jeune, peut-être une personne qui ouvre une nouvelle page de sa vie, qui prend justement une décision. Avec la roue de la fortune, hein, on est quand même sur un grand nouveau départ. Je pense que la personne en face, elle saisit une opportunité justement d'aller vers l'essentiel dans sa vie. Donc c'est pour ça que je vous parlais de travail sur elle, cette personne en face de vous. Elle a besoin de travailler sur elle, d'aller à l'essentiel. Il y a une forme de prise de conscience ici des événements qui se passent ici dans la relation. C'est que les événements de la vie ici. Est-ce que ça lui prend ou est-ce que ça lui donne de l'énergie? Il y a une prise de conscience. On va vers quelque chose des opportunités. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle saisit des opportunités dans sa vie pour aller vers une forme d'accomplissement. Alors, est-ce que cette personne est très focus sur l'aspect matériel? Je ne sais pas. Parce qu'on a le page de pentacle et la roue de fortune. Donc, faites attention quand même. Bon, après, évidemment. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est une personne qui saisit une opportunité ici, au niveau denier, donc la roue de la fortune au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire que la roue tourne chez cette personne. Les événements de sa vie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas, elle pèse le pour et le contre et elle décide de cette personne d'ouvrir une nouvelle page de sa vie, mais il faut que quelque part il y ait une forme d'abondance, j'ai l'impression, une forme d'opportunité au niveau de l'accomplissement personnel. Et c'est pour ça qu'au départ, il y a des blessures à régler, vous voyez, dans cette histoire. C'est qu'on va vers un 10 de coupe pour vous, mes vierges, mais il faut effectivement guérir de ces blessures. Et la personne en face de vous, elle ouvre une nouvelle page de sa vie, mais elle garde bien en tête les histoires du passé. Est-ce que vraiment, voilà, elle va faire des choix judicieux aujourd'hui, d'accord? Elle va plus se planter, quoi. Bon, faut quand même voir l'énergie de la personne que vous avez en face de vous, quand même. Il y a peut-être du feu encore, je ne sais pas, mais en tout cas, quelqu'un qui est déterminé à saisir des opportunités ici, à faire tourner une roue. Pour vraiment construire quelque chose. Alors, une carte conseil pour vous, c'est le soleil. Donc c'est chouette, hein, continuez d'avancer. Vous êtes dans la protection, vous êtes dans l'accomplissement ici, mes vierges. Le soleil, c'est beau, hein, c'est la carte numéro 19. Donc il nous 1 plus 9, 10, un nouveau départ. Fertilité, fécondité, célébration, quelque chose de beau. À condition d'avoir guéri de ses blessures. Donc effectivement, si vous vous sentez dans ces énergies-là, mes vierges, hein, travail sur soi qui mène au soleil, qui mène vers un 10 de couple, donc c'est beau. C'est la célébration de quelque chose de chouette ici. Alors la personne en face de vous, mes vierges, c'est le 3 d'épée, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'extrasensibilité. Quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un qui a été trahi. Un cœur blessé, c'est ce que je vous ai dit, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez attention parce que cette personne peut être dans la dépendance affective avec vous. Et si vous vous réglez une blessure, mes vierges, ici d'abandon, ben, écoutez, j'ai envie de dire que la relation, elle n'est pas dans l'amour, hein. C'est ce que je vous disais, hein. C'est un amour de dépendance. Vous avec votre blessure d'abandon et de rejet, et la personne en face de vous avec la blessure de trahison, donc de rejet aussi. Ça veut dire qu'on s'attache l'un à l'autre et pas pour les bonnes raisons.
Donc, si vous réglez vos blessures, bah, effectivement, vous irez vers un 10 de coupe, mais vierge, mais par contre, pas avec cette personne-là, quoi. Je veux dire, qui est toujours dans ses énergies ici et qui n'a pas réglé sa problématique de trahison, hein. Donc, voilà. On est dans l'empathie, on est dans. Voir dans les liens, c'est le lien qui peut être toxique, en fait, dans ce que vous vivez. C'est pas vous, c'est pas l'autre, c'est vos blessures. Et vos blessures, elles font que quelque part, ben, la personne en face, elle décide d'investir avec vous parce que quelque part, vous lui apportez peut-être un confort avec votre 4 de pentacle ou votre 9 de pentacle. Et que quelque part, vous avez envie d'une construction d'amour. Donc en face, vous êtes en face d'une personne, peut-être plus jeune, avec le page de pentacle, mais qui vous choisit pas pour les bonnes raisons, quoi. Et qui a peut-être peur aussi d'être trahi. Donc faites attention à cette relation. Alors, l'issue, c'est. Ben oui, ben vous voyez, l'issue, c'est le 3 de pentacle. Hein. Ben, l'issue, c'est de faire les bons choix. Hein. C'est-à-dire, est-ce que vraiment je continue dans cette histoire ou pas hein. C'est faire un choix stratégique. Hein. Ouais, le choix stratégique. Alors, c'est pas de dire qu'on sait, mais c'est juste d'apprendre, justement, vous et l'autre, personne, vous devez faire un choix stratégique. C'est l'issue, en tout cas, de la relation. C'est le passé, là, et vos blessures sont problématiques dans votre relation. Voilà. Vous êtes en effet miroir, je pense, avec cette personne. Et c'est ça le problème. Donc, bon. Trois de pentacles, c'est pas une question d'autorité, c'est pas une question de mieux savoir que l'un et l'autre. C'est vous, chacun de votre côté, qui devez faire ici les bons choix. Des choix en décidant justement de tourner la page du passé et voilà, de retrouver une forme de stabilité dans votre vie, de concrétiser quelque chose plutôt que d'aller dans le plaisir, quoi, vous voyez. C'est rassurant quelque part, vous êtes dans une forme de relation qui vous rassure mais qui n'est pas dans la construction et dans l'amour. Voilà. Ouais, c'est, je le sens pas comme ça en tout cas. Et ça me semble un peu particulier, quoi, voilà. Je pense qu'il y a un travail tous les deux à faire sur l'amour de soi et l'estime de soi. Voilà. Et c'est ça qui va pas. Donc soit vous travaillez dans ce sens et vous faites le choix justement de vous libérer de vos blessures. Et bon, c'est pas évident. Il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler sur eux. Parce que ça vous empêche, vous, d'aller vers un 10 de coupe et que la personne en face de vous, elle fait des choix stratégiques, elle ne fait pas des choix d'amour, donc c'est ça qui ne va pas. Elle est dans la dépendance affective, donc du coup, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, et puis je pense qu'il y a une problématique financière là. C'est, enfin, je pense que c'est une personne qui est très focus sur l'argent. Et je le ressens comme ça. Voilà. Voilà mes vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, enfin, vous parlera surtout. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Vous n'hésitez pas à liker, à commenter. Regardez donc bien les tirages de vos autres signes dans votre thème. Je vous fais des gros bisous du cœur et n'oubliez pas de ne plus accepter l'inacceptable. C'est l'adage de notre chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.